Salut les amis, c'est Kisame et aujourd'hui vidéo coup de gueule. Coup de gueule, oui, sur Ghost of Yote. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, Ghost of Yote, c'est un jeu que j'attends énormément. Je trouve que l'ambiance, la DA est vraiment incroyable. Et contrario à un Assassin's Creed Shadow qui, au secours, le jeu, c'est une catastrophe absolue, ça va être une daube absolue, que j'attends pas du tout, Ghost of Yote, je l'attends. Mais d'autant plus que je vais encore plus passer un énorme coup de gueule et un gros coup de gueule, car là, les amis, je suis prêt. Très énervé. Je suis très vénère contre Ghost of Yote et la Sucker Punch parce qu'on va encore avoir un putain de jeu de wokiste de merde. Oui, je vous le dis, les amis, c'est une honte absolue. Ghost of Yote, c'est un scandale absolu et un manque de respect une nouvelle fois pour l'histoire du Japon, puisque tenez-vous bien, on va incarner non plus Jin, donc comme je dis, c'est pas l'histoire de Jin, ça se passe 300 ans après, mais Atsu. Atsu qui va être incarné là, au niveau de la motion capture et les traits du visage vont être effectué par une actrice, donc Erika Ichi, une actrice non genrée. Et oui, les amis, vous ne rêvez pas, c'est la pure vérité. Erika Ichi va être bien l'actrice qui va faire la motion capture. Donc, une actrice non genrée qui se revendique elle-même comme non-binaire, quoi. C'est un truc de fou. C'est complètement scandaleux. Voilà. Alors, j'ai vu des tweets à elle, hein, là, et des tweets à elle que j'ai trouvé. Absolument, parce que j'ai regardé son Twitter, et carrément, elle décrit une agression là, à Shibuya, dans un club de Shibuya, où quelqu'un aurait essayé de lui mordre le doigt ou le visage, et l'agresser, quoi. Elle a carrément couru dans les toilettes des femmes pour se cacher. Hallucinant. J'imagine évidemment que cette histoire est très probablement inventée pour desservir la cause LGBT. Plus, là, c'est complètement scandaleux. Et en plus de ça, j'ai regardé un autre tweet à elle où carrément elle disait Harry Potter, là, Harry Potter. Oh là là, je suis fan de Harry Potter, j'arrêtais pas de me cosplayer et tout ça. Et c'est incroyable. Maintenant, j'ai regardé Harry Potter Hogwarts Legacy et il y a carrément des trans dans le jeu. C'est incroyable, hein. Oui, les amis. Apparemment, elle est kiff. Voilà. Elle trouve que la participation d'actrices non-binaires dans Harry Potter, c'est exceptionnel, c'est incroyable, et il faut soutenir ça. Voilà, c'est un scandale. Donc Erika Ichi, c'est une actrice qui a carrément collecté des fonds pour l'association LGBT The Trevor Project, machin truc, qui lutte contre la transphobie. Donc la meuf, elle est super... Enfin, la meuf... On ne sait plus s'il faut dire meuf ou mec, hein, excusez-moi, mais je sais plus quoi dire. Là, je sais plus quoi dire, voilà. Et donc, elle lutte contre la transphobie, cette association. Incroyable. Et c'est une personne, donc, j'ai vu sur Twitter, qui se revendique comme queer. Donc c'est une personne, si vous ne savez pas ce que c'est, qui s'identifie à aucune catégorie relative à son orientation sexuelle et à son identité de genre. Mais les amis, mais dans quel monde on vit ? Là, c'est un coup de gueule général que je vais passer. Hein, parce que c'est scandaleux qu'elles disent que ouais, dans les récits fantastiques, c'est incroyable que les trans soient bienvenus, etc. Elles revendiquent le wokisme. Et là, c'est cette actrice, c'est elle qui va jouer dans Ghost of Yote. C'est pas possible. Parmi la myriade d'actrices que vous auriez pu prendre sur ce jeu, des actrices d'origine japonaise, il peut y en avoir plein. Pourquoi il a fallu que vous choisissiez une non-binaire et une trans? C'est scandaleux. Enfin, je ne sais même pas si c'est une vraie trans ou pas. Je ne veux pas savoir, s'il vous plaît. Je ne veux pas savoir, mais c'est un scandale. C'est une honte. J'attendais ce jeu avec impatience. La DA, je la trouve incroyable. L'ambiance, je la trouve folle. L'histoire, elle est incroyable. Et là, je suis juste dégoûté. C'est un scandale. C'est une honte absolue. Bon, on n'est pas au même niveau que Assassin's Creed Shadow, hein, mais là, c'est quand même scandaleux, excusez-moi les amis, c'est une honte absolue. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me disliker, et voilà, à plus pour une prochaine vidéo.